Hey, Taxokato mon ami, et bienvenue dans la taverne. On se retrouve pour un nouveau farm qui permet de se faire plus de 10 000 PO par heure, de up une réputation, de loot une transmo, des plans et une mascotte grâce à un spot de gold farm oublié de tous. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce gold farm de manière optimisée, il est conseillé d'avoir un druide avec les métiers d'épeçage-minage. Viens en Outre-Terre dans le marécage de Zangar, et plus précisément ici à l'ouest dans cette zone. Tu y trouveras des champignons lumineux appelés chapeaux luisants. Ces chapeaux luisants sont les composants principaux de ce gold farm. Ils sont utilisés pour monter la réputation des sporégars qui te permet d'acheter une cape pour la transmo, des plans pour tes métiers et une mascotte. Lors de la vidéo, le prix du champignon était à 56 PE unité, et en prenant mon temps pour créer une route de farm opti, je suis monté à 10 000 PO par heure, ce qui veut dire qu'avec une route déjà enregistrée, tu peux monter à bien plus. Petit point bonus, si tu as un dépeceur, tu trouveras sur ton chemin des sporoptères et des marcheurs des marais qui peuvent être dépecés ainsi que des minerais qui ensemble peuvent bien booster ton taux de gold à l'heure. Ce farm est oublié de tous et pourtant il continue de rapporter des golds, donc profites-en tant que personne ne le ruine. Voilà pour aujourd'hui, abonne-toi, like, partage et soutiens la chaîne pour plus de contenu. Prochaine vidéo, je te montrerai comment optimiser une grosse partie de tes farms. A bientôt pour plus de PO. Allez, ciao!